Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Me voici encore devant vous, dans votre petit salon, sur votre petit écran. Voilà. Il s'agit de l'émission Farfa qui démarre ici et maintenant. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, pour ne pas dire qui nous reçoit, mais c'est notre invité, tout compte fait. On est avec lui aujourd'hui. C'est un monsieur qui est au début. Ça allait dans la genèse du coupé décalé. Hey, ce monsieur-là, toute la Côte d'Ivoire lui reconnaît ses talents, parce qu'il en a beaucoup. DJ, chanteur, tout ce que vous voulez. Vous verrez de qui il s'agit. C'est pas petit quelqu'un. Plage musicale et on revient. Alors mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale. Même vous avez vu de qui il s'agissait. Il s'agit d'un monsieur que nous tous on respecte. Quelqu'un qui était au début du coupé décalé, qui était un gourou du coupé décalé, un doya du coupé décalé. DJ Jacob. Ouais, là, ça y est. Voilà moi, non. Voilà moi, calé. Il faudrait qu'il vienne te... Ouais, ce gars-là, c'est, il est dans quoi? Il dit non, faut que moi il devienne DJ à cause de ça. Mais après, on t'a mis 40 de tout dans le coin. Bien sûr. C'est mon bon. Tu as inspiré beaucoup de jeunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, je dis merci à Dieu parce que bon, sans lui, nous ne sommes rien. C'est grâce à lui que bon, j'ai connu ce métier-là. Grâce à lui, par son canal, il m'a fait connaître DJ Rams, un VP qui est apparu aujourd'hui. Donc c'est lui qui m'a appris ce métier et puis bon, après moi j'ai... Tu as volé des points. Voilà, puis bon, j'ai appris aussi d'autres. Tu as commencé avec MC Rams. Oui, MC Rams, c'est lui qui m'a appris le métier de DJ. Bon, aujourd'hui il est à Paris, on lui fait un coucou. Voilà, je vais faire MC Rams. MC Rams, et bon, aujourd'hui, grâce à lui, j'ai connu ce métier-là et moi aussi j'ai appris aussi à... à d'autres personnes. D'autres personnes se sont aussi inspirées de moi. Bon, tant mieux. Oui, bien sûr. Parce que, franchement, dis-moi, je me suis inspiré de toi. Ah, merci. Voilà, merci, c'est la bizarre. Par rapport à toi, que moi, je suis une DJ, hein, tu as été ma source d'inspiration. Merci de reconnaître. Voilà. Oui, non, je le reconnais. Je le reconnais. Ça fait que partout, je te vois. Comme je dis toujours, même si c'est Michael Jackson qui te croise, oui, non, tu restes mon vieux père. Non, toi, c'est moi. Hein. Tu as fini ça. Ah. Non, il y a faux, il y a faux. Alors, dis-moi, DJ Jacob. Yo. Comment ça se passe actuellement? Ça se passe comment le mouvement en DJ Jacob? Quelle est l'actualité de DJ Jacob actuellement? Ben ça va, je suis là, je vais bien grâce à Dieu. Je suis là, je fais mes petits mouvements de temps en temps. Mm-hmm. Je travaille toujours en boîte de nuit. Mm-hmm. Voilà, je suis dans deux boîtes de nuit. Mm-hmm. Voilà, vous connaissez. Mm-hmm. Quand vous voyez le visage, vous savez mm-hmm. que votre ça veut dire je suis de l'autre côté. Dimanche, je suis mm-hmm. à la maison. Donc voilà quoi. Mmh. Et je suis là, je fais me répéter, je fais toujours de la musique, mmh. voilà, parce que d'autres pensent que, voilà, comme on ne voit pas mmh. sur des chaînes de télé, dans des shows, mais bon, il mmh. y a beaucoup de shows partout dans le monde entier. Bien sûr. Donc voilà. Alors, DJ Jacob, moi j'ai une question pour toi. Mmh. Je veux te ramener un peu en arrière. Franchement. Oui. comment dirais-je, le son que tu as sorti, Réconciliation, là. Ouais. Moi je veux savoir, parce que on a comme l'impression que, personnellement, hein, j'ai une impression de... Je sais pas, mais il y avait une certaine onction sur cette chanson-là. Ouais, ouais. Parce que, même pas cette chanson, l'album même. L'album 14 Rouge. Voilà, l'album 14 Rouge. Ouais. À l'époque, les DJ faisaient des albums pour les gens qui sont pas au courant. C'est vous qui avez commencé, vous avez fait des albums. Ouais. Après toi, il y a eu Rickson. Arsenal, Mouloukoukou, tous ceux, ils ont fait des albums, tu vois. Ouais. Et cet album-là était vraiment magnifique. Ouais. Et ça t'a fait voyager, ça t'a fait connaître des pays même. Des pays, ouais, c'est des pays. Franchement, que toi-même, je suis sûr que tu ne peux pas imaginer que tu allais arriver. En tout cas, depuis mon Yangon natal, je ne peux pas imaginer me retrouver jouer en Inde. Oui, dans des pays. Dans des pays aux Antilles. Bon, pour ne citer que ceux-là, sinon il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Si on veut citer, on va citer ici. L'homme qui a moins 7, il a 7 passeports lui seul. Non, je n'ai pas 7, c'est 11 maintenant aujourd'hui. 11 passeports. Et il reste, pour être humble, il reste 8 pages. 8 à 9 pages dans le 11e. Mesdames et messieurs. Donc je prie pour avoir encore de gombo pour partir. Mesdames et messieurs.
à tous les artistes qui se jouent les dangereux dans ce pays, qui pensent que vous pensez que vous êtes trop star, que vous êtes trop arrivé. Je veux voir vos passeports. DJ Jacob, qui est le vieux père, qui est un, qui est dans son coin, il ne fait pas parler. Personne n'a déjà entendu que Jacob a dit ça. Il a 11 passeports, s'il vous plaît. 11 passeports bien comptés. Moi-même, mon passeport, c'est une seule page. On arrête, on arrête. Sérieux, vous m'arrêtez ça. Mais il a voyagé, il a voyagé. DJ Jacob a 11 passeports, vous voyez dans le pays, vous faites le malin. Comme si vous êtes arrivé. Voilà un monsieur qui est là, qui est calme dans son coin, il a 11 passeports. Je suis même dépassé, j'ai lâché des poulets, il parle de ça. Alors dis-moi, comment est-ce que cet album a été goupillé? Oui, il y a eu trop de choses sur ce carton rouge. Sur le carton rouge, j'ai arrivé à un moment donné où le pays était un peu, tu vois, non? Il y avait un peu de foufou, comme on dit. Le pays n'était pas stable. Donc il fallait amener quelque chose pour que les gens oublient un peu. Les histoires de palabres et tout. Donc le son carton rouge, le son réconciliation. Je sais pas s'il y a un peu de temps pour nous. Non, bah, on a le temps, explique, on veut savoir. Si on en fait quatre parties, on en fait quatre parties. C'est DJ Jacob, c'est pas petit quelqu'un. Bon, ok, merci à Zimane avocat. Réconciliation vient après trois titres. Parce que quand je suis venu de Paris, Soumbil m'a dit, bon, mon petit. Bon, tu es là, le mouvement a commencé devant toi à Paris, donc il faut que tu chantes aussi pour sortir un truc. Donc moi, je viens en quatrième position, après Abutu, la Dream Team, Doug Saga et DJ Jeff. Donc je rentre en studio chez David Aero, chez le vieux père, on a fait trois titres. Donc, on a marqué, pendant le titre Sagacité, on a marqué une pause. Le vieux dit, bon, on a marqué une pause pour aller manger un peu. Ramzaï. Dans la pause, pendant qu'on était de cuisiner, il a appuyé son ordinateur, puis il a mis le morceau de Jeff. Changer de côté, changer de côté, patate. Ils sont mis le morceau derrière, on allait dire, il est vieux père. Sans qu'il écoutait, là, puis nous trois, on a fait, elle est vieux là. C'est pas monsieur David, le petit va nous tuer, Jeff va nous tuer, donc. Cherchons à faire un autre son quelque part pour compléter. Il dit, ah, petit, mais c'est bon, il est non vieux. Changer de côté. Il m'a pris ta salve, voilà. C'était mortel, non. Il dit, si ça sent, nous, on est mal dans le film. Il dit, bon, donc, fais réfléchir et puis on va voir. Donc, je prends Denis Dilactif dans nos foyers. On arrive chez les parents. Attends, je commande une sauce à la maison chez les parents, une sauce graine. Voilà. À Nyango. Voilà. Donc, on finit de manger. Mon vieux vivait encore, donc mes grands frères, tout le monde était là. Ramzi, c'est là qu'on a créé le. Il dit, aujourd'hui on va danser, on a fini de manger, on était bien rassasié. Sur la table, j'ai commencé, il dit, les gars, attendez, on fait un petit truc. Il dit, aujourd'hui on va danser. Papa, maman, on va. J'ai dit, la chair de poule. J'ai dit à Denis, pardon, on va prendre le clavier. Chez quelqu'un là-bas, on a loué le clavier, on a mené. Denis a plaqué les accords. Nano a envoyé Nano Fabi. Bien sûr, Nano Fabi, qui chante aujourd'hui. Qui chante aujourd'hui. Ramzi. On finit là, on a mis ça sur chose. Et quoi, on appelle la petite cassette là, voilà. Voilà, la petite cassette, on a mis ça dessus. On est allé chez Koudou, on dit le vieux, écoute ça, et puis, complète, fais quelque chose. Et puis aujourd'hui, bon, voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné. Ça a donc, c'était l'inspiration divine. Voilà, l'onction, et puis quand on était en studio, il y a un pasteur qui est venu voir Koudou, et puis moi j'étais en studio. Et puis il a demandé à Koudou, est-ce que je peux prier un peu pendant 5 minutes. C'est, Dieu me met en cœur de... Et puis il a prié. Maintenant, dans la partie où j'ai dit onction, ça c'est papy. Papy, il priait avec l'épouse. Donc, moi je ne priais pas encore bien. Donc, il prie, chaque soir il vient à la maison, il prie à madame. Et puis après j'entends, ri papa, 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 ri papa, papa, il dit, attends. Qu'est-ce qui se passe dans la prière là? Ma femme dit, ah, tu aimes trop ça, c'est l'autre. Il parle la langue. Il dit, bon, moi je mets ça dans mon morceau. Voilà, c'est comme ça, puis il y a une onction, chaque bout, ripopopopo, ripapapa, on va décaler moi. Donc, c'est parti comme c'est ça. C'est parti.
Donc, c'est 60 basses en tout cas. Mm-hmm. C'est Dieu. Mm-hmm. C'est Dieu. Ouais, pourquoi aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas te mentir, c'est vrai que j'ai fait des sons après, mais. C'est ce son-là qui est. C'est ce son-là, ouais. Faut vraiment. Il ne faut pas que je vous mentir. Vraiment, le son. Ça te fait manger. Ouais, tu manges ça pour le jour. Un truc qui a sorti depuis 2000, combien 2003, le 15 septembre 2003. Ouais, ouais. 15 septembre 2003, je me rappelle bien. 15 ans, oui. Oui, et puis François Couto, tout le monde nous a fatigué pour faire le son. On a commencé le son, Salif Keita l'a appelé. Voilà, arrêtez Salif Keita. Mais il a fait 3 mois et demi là-bas. Je pleure chaque jour. Ah, tu es malin, mais Boudou. Il dit, calme-toi là-bas. Mm-hmm. Il va venir. Ouais, c'est à Satu Malin qui avait produit là-bas. Ouais, ouais, Satu Malin, ouais. Coucou, coucou. Qu'on salue au passage. Voilà, là, donc, Malin, mais il est où? On le voit plus. Il est là, il fait ses affaires. Ça fait longtemps aussi. Bon. Mm-hmm. Chacun se gère. Chacun se gère comme il peut. D'accord. C'est super. Donc, mesdames et messieurs, voici l'histoire de la chanson que vous tous vous aimez. Mais juste avant ça, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que Didier Jacob est celui-là même à cause de qui aujourd'hui, on peut dire, c'est celui-là qui a créé l'animation Coupé Décalé. Ouais. Parce que même moi, j'ai entendu parler, mais ce n'était pas encore clair dans ma tête. J'ai fait un faf avec Mola, et c'est Mola qui a eu la décence, pour ne pas dire l'honnêteté, de reconnaître que, que DJ Jacob est celui-là même qui a créé l'animation sur la danse coupée décalée. Parce que vous étiez à Paris et tout ça. Ouais, Mori, bon, il faut dire que Mori, avant d'être à Paris, je m'excuse, mais c'est moi qui me fais beaucoup son argent avant. Parce que je travaille dans une boîte de la place au plateau. Bon. Ça ne résiste plus. On peut dire le nom, voilà, le Blue Note. Voilà, donc, il venait là, ses frères, là, comment ça, Sam Doguette, Ahmed Chala, le Blue Note. Oui, le Blue Note. Voilà, donc, El Adawi, pour cette question-là. Donc, vraiment, je suis là DJ depuis Belle Lurette, et puis Dieu a fait, on s'est retrouvé à Paris. Voilà, donc à Paris, il était déjà avec le Doug Saga, les Solo Béton, Chakoulé, Borosang, Lino. Donc, voilà, s'il a dit ça, bon. Tu as un jaillé, ouais, c'est qu'il a reconnu. Ouais, il a reconnu, mais, c'est un plaisir. Bon, il a déjà expliqué dans bon, il a reconnu, mais attends, Rabzi, je lui dis quelque chose. Moi, tu as reconnu, mais tu ne fais pas manger. Ça, c'est pas bon. Voilà. Pas pour faire manger le vieux père. Voilà. Je lui ai dit ça dans l'émission, il a commencé à parler d'autres choses. Il faut faire manger les gens. Il a commencé à parler d'autres choses. Voilà. Donc, la personne n'est pas coupée. C'est une belle maîtresse. Faut pas manger Jacob. Arrête-moi ça. Même moi-même, tu ne fais pas manger. Oui, même Ramzi. Arrêtez. Alors, donc, tu étais à la jeunesse du coupé décalé. Ouais. Tu as créé une certaine animation. Oui, une certaine animation. Voilà, bien dit. Merci. Ah, mais apparemment. On peut dire que c'est Mola qui a eu le courage de dire ça devant les antennes, devant tout le monde. Mais je sais que souvent, tu sens que les gens ne sont pas reconnaissants par rapport à ce que tu as fait pour le coupé décalé. Bon, comment est-ce que toi, tu te sens quand c'est comme ça? C'est le showbiz. En fait, que avant Mola, il y a eu le vieux père Momo de Paris. Bon, entre nous là-bas à Paris, bon, entre nous à Paris, moi je suis ici. Tu la vois tous les jours. Entre à Paris, entre les anciens de Paris, bon, chacun sait plus ou moins ce qu'il a fait pour ce mouvement et ça fait plaisir quand j'entends comme ça l'un des membres de la Jet Set reconnaître, ça fait plaisir. Donc, je suis enjaillé. Oh, d'accord, super. En tout cas, Didier Jacob, moi un jour j'ai discuté avec un DJ, un ancien DJ, qui a dit que Didier Jacob, franchement, il est béni parce que Didier Jacob, il était à Paris, il s'est cherché, il était dans son mouvement, c'était bon. Didier Jacob s'est retrouvé à Abidjan dans des circonstances un peu bizarres. Ouais, donc, si on a le temps, on va en parler. Oui, il faut qu'on en parle. D'accord, okay. Parce que Didier Jacob a eu des problèmes. Bon, moi, on m'a expliqué un peu l'histoire, ouais, c'est vrai. Ouais, vas-y. Didier Jacob allait animer quelque part en Belgique ou non, même, là, Suisse, en Suisse. En Suisse, il revenait. Lausanne, ouais. Voilà, il revenait de Suisse, il avait son matériel et tout, on l'a attrapé dans le train, on dit monsieur les papiers, c'est eux, puis on l'a ramené. Les gens se sont moqués de Didier Jacob dans ce pays. Parce que d'ailleurs, c'est leur travail. Ouais, je me rappelle encore au Shanghai qui est arrivé, on dit, oh, il est arrivé par Châtel, je me rappelle encore, bon, je n'ai pas cité le nom de DJ, mais bon, aujourd'hui, chacun sait ce qu'il est devenu, dans le boulot. Bon, aujourd'hui, là, c'est une vérité, mais je vais parler de ce voyage-là. Quand vous dites prier, allez à l'église, là, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Parce que mon retour à Abidjan,
c'est Dieu. Puis ce que ta bouche dit, ce que ton cœur veut là, c'est ce que Dieu te donne. Soumbil sort terre des hommes. Tu sais que je fais partie des DJ qui ont fait la promo de Soumbil sur Paris. Niaisé, Bledji. Tu sais qu'à Paris, les gens jouaient des choses niaisées, mais moi j'ai pris Bledji et j'ai fait la promo de Bledji. Bledji, voilà. Donc Soumbil devait faire parler de la culture. Et le pouvoir. En 2002, c'est ça, non? Ouais. Donc, Soumbil et moi, on se voit un jeudi. Soumbil devait venir à Abidjan le même jeudi, là, mais à 13h, 14h. Et on se voit à Châtelet, 29h. Et puis je lui ai dit, hey, mon vieux, tu étais à Abidjan quand tu me laissais. Pas moi, tu n'as pas papier. Hey, si Dieu pouvait faire, il allait venir dans ton conseil. Si ça avait papier, là, je vais dans ton conseil, je tuais en coupé de galets. Et puis il revient, mon petit, c'est que tu cherches les baisses. Les conseils, là, ça, y en a toujours. Je dis, non, Dieu, vraiment, il faut que Dieu demande si Dieu pouvait faire. Donc, Soumbil, on se laisse là, à Châtelet, là. Il est 10h par là. Lui, il va faire ses apprentissages, faire ses affaires, il va la répondre. Et moi, il y a le temps, j'espère. Vas-y, okay. Et moi, je retourne à la maison. Et le même jeudi, moi, je devais partir en voiture avec mon neveu, mon ami Jonathan, et son ami en Suisse. Parce que, après, son ami DJ Blo, nous l'avions invité pour un show là-bas. Donc, on va en voiture d'abord. On passe, on fait Strasbourg, on Besançon, bon, on sort en Suisse. Ouais, c'est un peu le trajet. Les gens vont dire qu'il fait malin. Pas parler, c'est ça. C'est ça le goût de galer. Les gens vont dire qu'il fait malin. Moi, je n'aime pas trop parler. C'est moi qui ne fais pas parler. Il était dit, vraiment, devant le patron, tout ça. Mon patron, lui, est là, papa Roger. Donc, on arrive en Suisse. On fait le show. En ce moment, à Boutourou, ça a sorti Tito. Donc, on fait vendredi, samedi, je mixe chez mon grand frère, son ami Blo. Et dimanche, moi, je dois revenir. Mais en temps, mon neveu qui est parti en voiture est rentré samedi. Et je me rappelle encore ce jour-là, le samedi midi, quand c'est réveillé, là, on est parti manger dans un restaurant sénégalais. Et Drogba, il m'avait appelé pour commander des CD parce que c'est moi qui fais ces CD à Paris. Au départ, c'était Mathieu. DJ Mathieu, quand je suis arrivé à Atlantis, il dit, Jacob, toi, tu sais, il aime chocolat. Toi, tu es bon, toi. Il dit, oh, je suis bon, mais il faut lâcher. Tu es un peu là aussi. Donc, on m'a appelé dans le restaurant pour dire qu'il va venir dimanche là pour regarder à le groupe Abutu. Donc, dans le restaurant, il dit, ça fait mon point. Donc, m'a appelé tout ça. Il jouait, je crois, à Marseille ou je ne sais plus. À l'époque, Non, il devait jouer à Guingamp, peut-être. Non, c'est pas Guingamp. Je crois que c'était Marseille. D'accord. Donc, on cause là, mon neveu revient sur Paris avec son ami. Et moi, je devais retourner le dimanche, par le train et tout. Voilà. Maintenant, je te parle de Dieu, là. Et ça vient. On arrive, mon grand frère personnel, Iblo, DJ Iblo Djabi, il m'emmène à Genève. Il y a une station là-bas de train qu'on appelle Eau Vive. Eau Vive, quand tu es dans le train, à deux stations, en même temps tu es en France, tu es à Nas. Ramzi. Donc, ton vieux que je suis, il monte dans le train. Il arrive à Nas. À Nas, le train est dans 2 heures de temps. Donc il y a un café, ça veut dire un pub, où tous ceux qui n'ont pas papier dans la ville, ceux qui doivent aller sur Paris, là, c'est là qu'on va s'asseoir pour attendre le train. Parce que quand tu vas à la gare, chaque 30 minutes, une heure de temps, il y a le policier. Tu vois, non? Donc on est là, il est l'heure du train. On est au moins 15 Congolais, Camerounais, Burkina, tout le monde est là, tous ceux qui n'ont pas papier. Arabe, on est là parce que c'est le seul truc pour aller sur Paris, voilà. Où il n'y a pas de contrôle. Ou à contrôle. Ramzi, on dirait les gars ont appelé le policier là. Il ne sait pas qui a appelé le policier là. On sort tous comme ça pour venir prendre le train. Dans les 15 personnes là, c'est moi seul avec qui le policier a appelé. On dit monsieur, venez s'il vous plaît. Monsieur, venez s'il vous plaît. Quand je dis, monsieur, venez s'il vous plaît, là, il y a des Abidjan, bonjour.
Tu as compris que... J'ai compris. Que c'est pas simple. J'ai dit, on est 1500 papiers, on est dans le peuple, dans le café, Ramzi, et la chair de poule. Uh-huh. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ah. Et quel regard, il n'a jamais passé. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc, mon prix a dit, bon, allons au poste. Fouiller. La nuit, le dimanche, là, quand on s'est dit à moi comme ça, hein, t'as pas parlé, hein. Mm-hmm. La nuit, les gars m'amènent à la frontière entre la France et la Suisse. Mm-hmm. Ils dorment là-bas. Le lendemain, on m'amène dans un centre de rétention. Je suis là-bas et quand on dit, bon, on va te juger à Lyon. Donc les gars m'amènent à Lyon pour me juger. Le juge parle jusqu'à, il dit, mais bon, c'est un gars, il a dit, il y avait mon sac. C'est vrai qu'il n'a pas de papier, mais il a dit, bon, c'est pas un gars qui est truc mauvais et tout. Bon, et puis il me dit, bon, monsieur Kouadio, qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand il voit que tu es de bonne moralité là, mm-hmm. soit tu fais, dans le temps, hein, mm-hmm. soit tu fais 2 mois de prison, mm-hmm. tu ressors, ou bien. Si tu es venu à Abidjan, on te laisse partir à Abidjan. Et moi, j'ai eu peur de la prison. Mm-hmm. Voilà. J'ai dit, mon neveu, mon même neveu là, il a pleuré. Il dit, pourquoi tu es bête comme ça? Il n'y a rien à Abidjan. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, quand les prisons, les gars l'ont tapé, sortez de la salle. Prends la prison. J'ai dit, non, non. Hé, ça aussi. Mon prison. Non, pardonnez. J'ai dit, monsieur le juge, je veux Abidjan. Il dit, ok, donc retournez dans le centre de détention. Le blanc, ça ne m'a pas. Même pas 3 jours. 21 avril 2003, ouais, mm-hmm. 2003. Laisse tomber. Ok, les gars m'appellent dans la chambre. Oui, monsieur Kouadio, votre départ est proche. Mais le juge a demandé que vous appelez sur Paris pour prendre vos affaires, vu votre comportement et tout, mm-hmm. pour prendre vos affaires, si vous avez de l'argent là-bas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils m'ont jeté, mm-hmm. si je suis venu de moi, mais parce que j'étais toujours bien. Ouais, toujours bien. Parce que les affaires, tu as vu, j'avais tout. On t'a pas envoyé un débarder en Calais. Voilà, j'avais 3 valises. Oui. Et un peu d'argent. Mm-hmm. Soumbou est venu me chercher à l'aéroport avec l'épouse. Mm-hmm. J'ai donné mes affaires à l'épouse. Mm-hmm. Soumbou, en même temps, mm-hmm. pour faire promo des mm-hmm. terres des hommes pour le conseil. Et puis voilà. D'accord, donc voilà. Comme ça s'est passé. Voilà. Et sinon, si je faisais la prison, j'étais encore là-bas. Mm-hmm. Est-ce que j'allais avoir papier? Mm-hmm. Est-ce que j'allais avoir aujourd'hui le visa pour pouvoir voyager? Mm-hmm. Bon Dieu, c'est ce qu'il fait. Hein. Mm-hmm. Donc tu vois, parmi 15 personnes, c'est toi qu'on choisit. Tout ce gars, il n'a pas papier. Je suis venu. Et puis c'est parti, tu vois. Mm-hmm. Non, laisse tomber. C'est comme si c'était tracé. Il est tracé, voilà. Et quand même, je me suis dit, attends, c'est pas le DJ de Paris, jaloux là-même, qui a appelé la police pour dire que. Mais c'est vrai, hein. Mm-hmm. Parce que c'était trop juste quoi. Mm-hmm. Je c'est pas le DJ jaloux là-même. Parce que les sont un peu là. Mm-hmm. Après, bon, Dieu merci. Mm-hmm. Dieu merci, Jacob arrive à Abidjan. Ouais, Abidjan, ouais. Voilà, pour les quelques personnes qui savaient, bon, ouais. Moqueri. Ouais, c'est ça. Dieu a fait le travail. C'est vrai. Je savais bien maquiller à la rue avec ma famille, mon petit frère Kim Bébé, la Mouravide, avec le pouce. On dit, oh, il est arrivé. À l'époque, c'était Châtel, la Châtel qui faisait qui battait les gens. Mm-hmm. Il est arrivé par Châtel. Ah, les enfants aussi, ils sont vieux comme vous. Mm-hmm. Il faut le respect. Ma famille, il nous faut laisser. Mm-hmm. Vivant. Mm-hmm. Ouais, mais moi, je me souviens à l'époque. Dit Jacob venait à peine d'arriver, moi je devais être encore au compresseur, mm-hmm. j'étais pas encore au Shanghai. Voilà, avec personnel Jonathan. Oui, bien sûr, j'étais au compresseur, ouais. Jonathan, Bombasti, Konon, mm-hmm. etc. Et le boss Abdul. Oui, le père Abdul Kanté, Alodier, manager, tous les gars. Ouais. Puis Jacob, on dit, ah, il dit, mais voilà mon idole même qui a signé. Dans ce moment, il n'y avait pas tout là. Ouais, pas donc, il est chanté, tu es maintenant pour montrer au vieux père qu'il est là. C'est un peu là aussi. C'était un petit monsieur qui a des yeux là-bas. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. On est toujours avec le vieux père, le grand frère DJ Jacob. Grand DJ devant Dieu, devant les hommes. Grand artiste devant Dieu, devant les hommes. Merci. Alors, comment yeah. Alors, on a parlé un peu de comment est-ce que tu es arrivé, tu es revenu à Abidjan, mm-hmm. tu as lancé le son et tout machin. Et, ouais. Et vraiment, qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment, tu as été l'un
l'un des artistes qui a vraiment propulsé le coupé décalé à un certain niveau. Tu vois, ça a tellement fait le, ça a tellement explosé que franchement dit, nous tous, en tant que DJ d'abord, on était fiers. Merci. On était contents d'avoir un DJ qui est en train de faire mal. C'était vraiment la totale. Alors dis-moi, quand le succès est arrivé et tout ça, voilà, comment est-ce que tu t'es senti? C'est-à-dire, quand tu as regardé un peu ton histoire de Paris, tu te retrouves à Abidjan et tout ça. Quand tu as vu que tu as commencé à avoir le succès, tu as commencé à voyager, tu as vu que même Paris, là, même là, c'est comme de l'eau glacée pour toi. Hein? Comment est-ce que tu t'es senti? Ben, je veux dire d'abord merci à Dieu, comme je t'ai toujours dit. Il faut dire que le son Réconciliation, quand c'est sorti, tu sais que Abidjan, les gens sont au courant de tout. Hein? Quand c'est sorti, il y avait la Dream Team. Hein, pour revenir un peu sur la situation, je m'excuse. Hein. Quand c'est sorti, il y avait la Dream Team qui faisait mal et le groupe MCM à caméra. Donc ils avaient le concert au complexe. Donc moi, je suis venu faire ma promo là. Donc Tonton Bouba m'a annoncé. Quand il était à Paris, il est là, DJ Jacob avec un nouveau sauvant, tout ça. Je monte avec ma danseuse, Tania. Moi, je dis, prends tout, bang, bang. J'attends là-bas, oh, descends là-bas, là. On t'a rabattu, tu veux retourner à Paris. Non, mais c'est pas mal. Donc, descends là-bas. Maintenant, je me suis arrivé au milieu. Voilà, la Dream Team qui rentre. NCM, les gars rentrent. Oh, est-ce que les gars m'ont regardé? Donc, ils pensaient que c'est déjà fou. Alors que... Déjà, la Dream Team. Mais d'entrer dans le stade. Ils ont coupé mon son. Donc ils descendaient mon CD. Le vieux Pemoza Djoko. Il m'a arrêté. Il dit, mon petit, faut même pas te décourager. Moi, ce que moi j'ai écouté là, ça t'a envoyé loin. Il dit, ah, merci mon vieux. Puis bon, aujourd'hui, je suis là. Tu dis qu'avant le succès, il y a les frustrations. Oui. Ça va. Avant le succès, il y a la frustration. Ouais, pour revenir à ta question, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que c'est un parcours, hein. C'est tout un parcours. Donc aujourd'hui, on est toujours. C'est-à-dire qu'on est dans un train, il ne faut pas être hors du train. Il faut être dans le train pour avancer. Voilà, donc. Même si c'est pas toi qui conduis le train. Voilà, moi, tu es dedans. Tu vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, voilà. Tu fais la chose, hein. À la tête, pas à la queue. Non, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, le chauffeur, la tête, c'est juste. Tu es là. Il n'y a même pas d'accident, tu peux sauter. Tu vois la route. Donc voilà. Ouais, super. Merci. Alors, Jacob, quand tu as commencé à avoir le succès et tout, tu avais carrément arrêté d'animer dans les boîtes et tout ça. Tu avais arrêté totalement. Non. Non, vas-y, jamais. Tu peux demander à mon patron Serge Brie. Non. Quand le succès a commencé, c'est vrai qu'on avait beaucoup de tournées. Mais quand je suis à Abidjan, il y a le moment où tu tapes 2 semaines, 3 semaines à Abidjan. Je suis au boulot. Parce que mon premier boulot, c'est la platine. Hein. Ouais. Parce que nous, c'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit que DJ Jacob, bon, il n'animait plus en boîte et tout ça. Que bon, comme maintenant c'est un peu chaud, donc il est retourné en boîte. Pourquoi arrondir les fins du mois. Que tout là, il a eu, c'est vrai, il a beaucoup de passeports, mais il n'a plus le gain. Donc maintenant, il retourne en boîte pour l'animer. Non. Il a posé la question. Non, ça va. Dans la vie, une fois que ton enfant peut manger à 16h, il peut manger le matin. Dieu merci. Maison est payée. Dieu merci. Donc, faut dire que moi j'aime même ce boulot de ce métier de DJ là. Voilà, donc. Tu as toujours été à toujours. Même souvent que je suis dans mes voyages, dans mes tournées, dans les gombos, souvent Dieu fait que je fais deux en un. Donc ça fait. Avec ton visiteur, même quand tu montes sur la platine. Voilà. Je chante d'abord, après, fin de chanter, je me repose un peu 5 minutes, je prends les platines, ça amène encore des trucs. Ah oui, mais tu m'as eu parce que je voulais t'attacher. Non, Razi, non. Parce que les gens m'ont dit, mais Jacob, écoute, je t'explique ce qu'on m'a dit. Non, mais est-ce que. On dit, mais dis-je. Non, est-ce que c'est mon âge, on dit. Peut-être que c'est un autre nom. Non, non, c'est Jacob. Dis-je Jacob. C'est le seul Jacob que tout le monde connaît. Que dis-je Jacob. Ah, nous, on est allé. Il y a une boîte de nuit à la Riviera 2. Ouais. On allait trouver dire Jacob en train d'animer là-bas encore. Et il a été jouer musique encore. Bon, on est venu à Yopougon, dans un coin encore, Jacob encore en train d'animer. Bon, tout l'argent il a eu dans la musique là. Il a fait quoi avec ça?
Donc c'est pourquoi moi je voulais te poser la question. Parce qu'on dit non, Jacob est tombé, il n'a plus rien. C'est à cause de ça, il est revenu encore dans la cabine. Là, les petits brin-brin que les gens voient, quoi. Les brin-brin en Côte d'Ivoire, c'est les petits jetons, les miettes, quoi. Hein, les miettes que les gars vont avoir. Jacob encore, il est en train de les gérer encore. Non, mais comme je te dis, je dis que c'est un métier que j'aime. Donc. C'est ma passion. Mm-hmm. Donc c'est pas que je suis tombé. Sinon, bon, il y a encore plein de sacs derrière à la maison. La famille, ça va. Donc il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Et puis mes patrons me payent bien, mes deux patrons. Dieu a fait que maintenant il y a deux patrons. Ouais. Il y avait un depuis 18 ans. Il y a un qui s'est ajouté. Il y a un mois par là. Mm-hmm. Donc. Tout se passe bien. Dieu merci. Ouais, tout se passe bien. Dieu merci. Ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'au moment où ça cartonnait fort, ça cartonne toujours, mais en un temps, c'était plus grave que ça. Ouais. Jacob, tu le connais, Jacob a les war ici, il a beaucoup de war, il a beaucoup de gens. Bon, tu sais que. Maintenant, il change de bouche, je ne comprends pas. Non, mais tu sais que tout ce que tu dis, c'est vrai, mais bon, quand toi-même, tu n'es pas là pour gérer tes trucs, c'est toujours mal géré. Bon. Aujourd'hui, on est dans d'autres choses. Dans d'autres business. Voilà, qu'on ne va pas citer ici, mais bon, Dieu fait grâce. Mm-hmm. Comme je t'ai dit, là, il dit, si ton enfant, il déjeune le matin, à 16h, le goûter, c'est important. C'est la bien dit ça. C'est bon, c'est moi, ça. Voilà. C'est le moment de demander à Dieu. Il faut que les enfants, la famille... Super. Voilà, super. Mais Kobo, dis-moi, aujourd'hui, là, le mouvement se passe d'une certaine manière. Pour toi, qui es un des piliers du coupé décalé et tout, aujourd'hui, bon, il y a les clashs dans le mouvement, ça s'insulte et tout. Moi, je n'ai jamais entendu parler, en tout cas, t'es-tu dans ton coin? T'es-tu dans ton coin? Et qu'est-ce que toi tu dis de ce comportement que certains acteurs du coupé décalé ont? Pour moi, c'est une question qu'on me pose souvent dans mes différentes interviews et tout. Moi, j'ai toujours dit à mes petits frères, à mes enfants, parce que tous m'appellent le vieux. Donc, c'est pas bien, parce que on a nos enfants derrière, tu vois, nos petits frères, peut-être ceux qui nous regardent, qui ont envie de faire ce métier-là. Donc, c'est pas bien les clashs. Donc, la dernière fois à Paris, j'étais à SH Benoît, on prenait comme ça un peu avant le concert. Tout mon petit, c'est qu'elle fait des clashs, il dit à mon vieux. C'est ça qu'il a dit, mais bon, on l'a compris, on va laisser. J'ai dit, non, laissez, parce que c'est pas joli. Ouais, bon. Puis bon, voilà quoi, on passe à autre chose. Mais moi, pour moi, les clashs, c'est vrai que les Américains le font, mais ici, c'est l'Afrique. Voilà. Il faut savoir. Ouais, même s'ils font ça pour le buzz, mais bon, souvent, tout le buzz tue le buzz. Ouais, c'est ça. Ouais, Joe. D'accord. Mesdames et messieurs, moi, je veux poser une question à Didier Jacob. Écoutez très bien. Kobo. Il y a mon cœur bas déjà. Non, laisse. On va s'en battre. Kobo. Tu es quelqu'un, tu es un artiste à succès. Tu as connu un succès énorme. Tu as fait tous les pays du monde. Tu as fait toutes les scènes, presque toutes les scènes du monde. Aujourd'hui là, franchement dit, en matière d'artiste qui a eu les spectacles, moi je ne vois pas un artiste qui peut se comparer à toi. Mais comment est-ce que tu as fait? Sinon, comment est-ce que tu fais pour rester la même personne que tu as toujours été jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu es calme dans ton coin, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. La même manière dont tu as salué quelqu'un il y a 10 ans, c'est de cette manière que tu vas saluer cette même personne. Merci. Non, tu as toujours été là. Moi, je veux savoir comment est-ce que tu fais. Comment tu as fait pour ne pas que le succès te monte à la tête, comme certains artistes que je connais, que je ne vais pas citer. C'est ça que je parle de moi. Tu vois? Et aujourd'hui, on peut plus respirer. Petit succès, on te voit dans les rues pour te saluer, même c'est le problème. Mais Didier Jacob est resté le même. Comment tu fais? Quel est ton état d'esprit? Moi, je vais savoir. Merci. Tu sais que Dieu est bon, parce qu'il n'y a même pas 4 jours, j'en parlais avec mon patron, papa Roger. Papa Roger, ton patron? Oui, ton patron. Mais parce que moi, j'ai pas le temps, les voyages. Donc, c'est lui qui est notre patron. Depuis du coup, côté de la Riviera. Ça, c'est pour Yopougon aussi. Il est là ici encore. Voilà. On salue au passage papa Roger l'ordinateur. Le monsieur, je lui ai proposé d'être de remplacer Luciano. Il veut pas. Il veut pas. Le président a dit qu'il refuse. Il a peur. Il dit Luciano va le tuer en sorcellerie. Il a peur. Il a peur. Luciano va le passer. Luciano, papa Roger a peur que tu le passes. Donc. Donc, comment est-ce que tu as fait ça? Comment tu fais? Comme je dis, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et il y a 2-3 mois, il y a un monsieur que j'ai commis en boîte, qui est venu en boîte, qui m'a vu et dit non. Tu dis Jacob.
Je t'ai croisé il y a 7 ans à Paris. Et je te croise encore aujourd'hui. Tu es toujours la même personne. Mais pourquoi tu n'es pas... Tu es trop humble, tout ça là. Tu es resté pareil il y a... Donc pour répondre à ta question, bon, faut dire que on devient, on devient pas humble quoi. On est humble. Mm-hmm. Donc moi je suis calme de nature. Mm-hmm. Voilà. Donc le succès, Dieu merci, ça m'a pas monté la tête. Parce qu'il faut dire que si c'est a fait le succès là, vraiment, comme tu l'as dit, tu as eu un peu aussi. On a tourné. On a tourné. Vraiment. Mais t'as tourné. T'as eu le succès, mais franchement, tu es resté. Je sais pas quoi. Tout ça, c'est Dieu. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu est dans ton affaire, faut être calme. Parce que tu sais que notre mouvement, ça peut marcher. Et puis deux, trois mois après, c'est calme. Mm-hmm. Et puis bon, tu vois qu'aujourd'hui, là, moi je ne suis pas décaché, aujourd'hui, je ne tourne pas comme avant. Bien sûr. Mais à cause de mon comportement là, il y a un gars qui quelque part m'a là-bas, il dit, Jacob, la dernière fois, il y a 5 heures, il est venu ici. Il était bien moi. Hein. Mm-hmm. Attends, je le mets dans le gombo. Mm-hmm. Ça fait un peu. En donnant la bateau fier. Il y a un gars aussi qui est en Inde, à Dubaï. Mm-hmm. Ah, comment? Alors, lui, il est bien. Bon, il faut être bien. Mm-hmm. Il faut être bien parce que ça sert à rien de. Mm-hmm. Ouais, parce que après, quand tu veux revenir sur la scène, c'est chaud. Hein? Ouais, parce que les gens aussi, ils n'oublient pas. On t'attend au tournant. Donc, sois humble. Voilà. C'est important. Conseil du corps du Guy Jacob. Voilà. C'est pas amusement. Ouais, Guy Jacob, toujours. Ouais. Un temps, tu as connu des tumultes. C'est-à-dire qu'un temps, c'était un peu d'une manière du côté de ton staff. Ouais. Nous, on a appris que tu avais des problèmes avec celui qui te manageait à l'époque, monsieur Jagen Aboué. On dit que tu as fait d'argent, il te volait, ça t'a énervé, c'est venu pas là, on comprend pas. Donc, c'est une petite parenthèse, quoi. Ouais, moi, je veux savoir. C'est une petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a eu ce petit. Non, mais faut dire que mon manager ici en Côte d'Ivoire, je m'excuse, mais. Ils font pas trop d'efforts, ils suivent pas l'artiste comme il se doit. Ça dit que toi tu es là, tu te bats, et une fois que ça marche, tout le monde vient derrière. Sinon, on a travaillé ensemble. Hein. On a travaillé ensemble, c'est vrai que mon premier gombo au Burkina, c'est lui qui trouve le gombo au Burkina. Bon, quand Jagan te dit enquête de marché, ça veut dire que. En quête de marché, ça veut dire qu'il y a un peu de lame dans le truc. Mm-hmm. C'est-à-dire en quête de marché, tu prends un peu et puis tu fais beaucoup de concerts. Mm-hmm. Ouais, mais sinon, après ça, bon, le vieux père se concentrer plus sur Arafat, puisque moi je bougeais beaucoup. Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça qu'on ne nous voyait pas trop ensemble. Mm-hmm. Mais bon, ça va, tout est rentré dans l'ordre. Mm-hmm. Voilà, je suis allé le voir, on a parlé, et puis bon, ça va. Le père, ouais. Vous conseillez au passage. Ouais, le père. Il y a son parfum, vous voulez le. Touché, mais tu sais, il est levé, non? Il est levé un coup de bois là. Attends, doucement. Bah, lui là, il avait un petit bois à côté. Là. Ouais. Il caressait ça trop, quoi. Je crois qu'on n'a pas compris le truc. Mais on salue le au passage. On salue le passage. Alors, Kobo, dis-moi, aujourd'hui là, nous on a appris que tu as volé le titre Farfar pour mettre sur ta chanson. Ça là, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Non, c'est vous. Non, c'est vous, c'est pas moi. Il a volé le concert du Daïré. Un concert qui est réfléchi. Tu as volé comme tu es le vieux. Il ne faut pas trop. Non, c'est toi. Non, c'est. Et puis, me blaguer, il n'a pas écrit de la même manière. La chaise, non, et petit, arrête, c'est toi. Moi, mon Farfar, il a commencé depuis 2016. Toi, ton Farfar est arrivé quand? Non, mais c'est un conseil, il est revenu depuis 2009. Ah, 2009. Donc, tu t'en veux payer les droits. C'est en featuring avec Serge Benoît. Ouais, avec Serge Benoît. Ça aussi, bon. Mm-hmm. Tout part d'un feeling. Hein. Mm-hmm. Il y a Cédric Canavaro qui m'appelle, qui me dit, ah, le vieux, j'ai un son pour toi, une instru. Est-ce que tu peux... Tu peux écouter. Il a dit, bon, ok, tu m'emmènes ça, j'écoute. Dès qu'il a mené l'instru, non. J'étais à Dieu, mais si j'étais avec mon petit frère Lamouravit, Sylvester Kay, dès qu'on écoutait l'instru net, le premier nom que je faisais dans la bouche, Serge Benoît. Il dit, mon petit frère dit, mon vieux, Serge Benoît. Et puis on a commencé à écrire, il dit, bon, donc,
on n'a qu'à réfléchir dessus. Il dit, bon, attends, quand on parle un peu d'Abidjan. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des belles femmes, c'est vrai que c'est joli, mais c'est risqué. Mm-hmm. Voilà, donc j'appelle Beno. J'ai le fils, il dit, ouais, viens l'angai. Il dit, ah, voilà, je veux faire un truc que toi. Il dit, donne-moi le jeu de studio. Ah! Mais attends, ce que tu es. Il dit, vas-y, tout ce que tu as fait pour nous. Donc, vous allez là. Je ne peux pas te refuser quelque chose. Mm-hmm. Dis-moi le jeu du studio. Donc, on a appelé Cédric. À l'époque, il était avec son jumeau Exo. Exo Lucas. Voilà. Donc, on est arrivé en studio et puis bon. Moi, j'ai chanté. Puis après, Beno, il a écrit mm-hmm. sa partition. Et puis, il a fait son armoire. Puis bon, après, bon, on a corrigé. Mm-hmm. Il faut dire que Beno s'est donné, quoi. Ouais, en studio, comme dans le clip, mm-hmm. il s'est donné. Il a dit d'abord, et puis il est très poli. Mm-hmm. Il dit, excusez-moi les gars, est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà, mon père Roger qui est là. Il dit, bon, ici, là, si on faisait comme ça, mm-hmm. mon couple, là, il a fait ça. Bon, mais ici, bon, tu as vu qu'il s'est. Ouais, il s'est donné. Il s'est donné, donc, coucou, fils, ouais, on est ensemble. Fils Beno, la famille, on est ensemble. Ouais, sinon, j'ai fait des featuring aussi avec des Bordeaux mm-hmm. dans le Smack Quiz. Ouais, Smack Quiz, oui. J'ai fait le Smack Quiz Act 2 avec Yoro et DJ Mix. Ouais, ouais. Voilà, pour nous citer que ceux-là. Ouais, ouais. Il y a le Smack Quiz, il y avait. De Bordeaux, il y avait aussi Mystique. Ouais, Mystique. Ah, il est vieux, parce qu'il a parlé de moi. Mystique et puis DJ chose Fally. Mm-hmm. Ouais, petit Fally. Ouais. Petit Fally, ouais. Voilà. Ouais, super. Donc. D'accord, mais comme on a parlé de la musique un peu, mm-hmm. on va venir aussi dans le moment des DJ. Ouais. La première question que j'ai, c'est quoi? Aujourd'hui, toi, qui es un vieux père, c'est vrai que tu continues tes animations et tout, mm-hmm. mais bon, il y a des générations après toi. Tu oui, vois? La nouvelle génération. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Côté talent, côté ouais. DJ, talentueux, mm-hmm. qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette génération aujourd'hui qui tient les boîtes de nuit, qui tient. Qu'est-ce que tu penses du travail qu'ils font? Ouais, voilà, merci beaucoup. Ok, mais la nouvelle génération, il faut dire que avec l'arrivée aussi des Sirato et tout, ça les rend un peu paresseux, tu vois, non? Mm-hmm. Voilà, ils font pas trop d'efforts. Nous, à l'époque, là, bon, c'est vrai que notre époque. C'était les platines, les vinyles, mm-hmm. mais après ça, il y a eu les lecteurs CD. Mm-hmm. Bon, ensuite, nos parents blancs ont amené le contrôleur par-ci, par-là. Ouais, c'est vrai que bon, ça te facilite la tâche, mais bon, en même temps, le live n'est pas trop. Ouais. Tout est bien calé. C'est ça. Ouais, tu ne cherches pas, tu vois, le stress, voilà. Ça. Okay, nous, ça t'inspire. Tu cherches un morceau, tout ça, ça. Ça mais, crée. Mais attends, moi-même là, moi c'est pas pour me bluffer. Hein. C'est que souvent les gens sont en boîte, ils dansent pas, mais ils sont après de la cabine, en train de me regarder. Parce que moi, je fais un temps de spectacle dans ma cabine. Moi, ça a eu, mais toi, tu me connais. Uh-huh. Donc, moi, quand je suis dans la cabine, non, c'est comme si j'étais sur un tatami, mm-hmm. sur le podium, c'est le show. Ouais, ouais. Voilà, donc la nouvelle génération, bon, travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent, même les managers d'artistes se plaignent, même les producteurs se plaignent. Qu'aujourd'hui, les DJ, c'est pas comme à l'époque, c'est pas comme vous à votre temps, c'est pas comme nous aussi à notre temps. C'est-à-dire que quand nous on était en plein dans les cabines, on jouait le son des gens, ce qui a fait qu'ils ont chanté nos noms partout. Ouais. Pas parce qu'on était trop jolis, ouais. Parce qu'on faisait la promo des artistes. Hein? Tout ça, mais aujourd'hui, les DJ là. Bon, moi personnellement, je dis ce que je pense. Ils ne jouent pas les sons. Ils jouent pas les sons des artistes. Surtout en Côte d'Ivoire, ils ne jouent pas les sons des artistes ivoiriens. C'est vrai. Ils jouent les sons des personnes qui ne connaissent pas. Même le son est bon, mais ils ne jouent pas. Ça, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Ouais, qu'est-ce que toi, Didier Jacob, tu penses de ça? Oui, merci pour cette question. Parce que je ne sais pas si c'est une jalousie pour dire que, bon, il n'y a pas mon nom dedans. Mais Joe, est-ce que tu connais celui que tu joues qui est à Perpète là-bas? Donc, aujourd'hui, là, moi, je vais lancer un appel. Aux DJ qui sont dans les cabines, qu'il faut jouer nos sons. Si moi je ne jouais pas son de peut-être Fally, il n'aurait pas venu à Abidjan. Si je ne faisais pas le CD de Beno ou. Comment on fait le groupe encore? J'ai tout aidé plein. Je prends le CD des artistes, que je suis dans un pays là-bas, je mets le son, je monte mon danse. Mm-hmm. Voilà, et puis le DJ après. Mm-hmm. On l'a dit du voyage. Mmh, mmh. Alors, et pourquoi aujourd'hui là, vous êtes comme ça? Non. En tout cas, merci pour la question. Hein. Mmh. Jouez le son. Hein? Jouez le son. Ouais, je ne joue pas le son, c'est pas bien. On va sortir un bon son, mmh. jouez. Mmh. On a le Fafa qui est là, jouez. Mmh. À cause de vous-même, on a mis instrumental dedans. Mmh. Pour faire attention. Pour me jouer.
Franchement, il joue pas la ouais. Des artistes. Et ça, c'est ça fait qu'aujourd'hui, comme les gens le disent, le coupé décalé aujourd'hui en baisse. En baisse, oui. Et tout ça, parce qu'il y a des bons sons, mais ce n'est pas relayé, en fait. Ouais, et puis ne mettez pas devant la télévision pour attendre une sélection d'une chaîne de télé pour dire, bon, c'est ça là que moi, ça va jouer. Non, jouer. Il faut faire des recherches. Faire des recherches. C'est important. Ouais. C'est important. Nous, on a fait découvrir des sons. On a fait découvrir des sons. Mais le son même, le gars, il est quelque part au Cameroun, là-bas, son son fait mal. Il ne sait même pas que ça joue en Côte d'Ivoire. Ça joue en Côte d'Ivoire. Parce que le DJ qui est ici, il a fait la voilà. Recherche, il a imposé le morceau. Il impose. La façon dont il joue, c'est de cette. C'est-à-dire que la façon dont tu joues là, c'est ce qui fait que le morceau prend. Il y a des parties que tu joues qui font que. C'est la manière. Il y a la manière. Il y a la manière. Oui, non. La manière, il appelle ça dans notre jargon, mon gars. C'est le piment. Il y a une manière de mettre un nouveau morceau. Ça fait que les gars restent sur la piste. Il ne faut pas dire que non, c'est nouveau, on ne connaît pas. Si je mets, le boss va faire ça ou bien les clients vont. Non. Il y a la manière. Il y a une partie qui doit prendre. Mais tu peux mettre. Gonfler, ça dit, prends un beat d'un autre gars qui invoque, et tu mets ça en bas, un peu, et puis le son. Nous, on a fait ça, pardonnez. Mm-hmm. On continue de faire. Donc, faites aussi. Hein. C'est important. Si on se voit dans la rue, on peut vous piquer. Mais si vous ne jouez pas le son, il n'y a pas de piquer. C'est ça. C'est ça. Vous pensez que vous êtes moisi, mais vous ne jouez pas le son, après. Il reste sachet souvent. Il reste sachet souvent. C'est super. Je suis à mon vieux, pour que c'est. C'est au-delà d'une émission, parce qu'il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Ouais, si. Mais c'est. Château de Gombo aussi. Bon, je te vois partout dans les avions. On se gère. C'est dès qu'il faut. Mais le truc, c'est ça. En fait, il faut que ce problème-là soit résolu, parce qu'aujourd'hui, les DJ sont tous des fainéants. Ils ne cherchent pas à jouer la musique de l'être. Et doucement avec eux. Non, c'est le dernier. C'est moi qui ai dit ça. Okay. Ils ne jouent pas la musique des autres et ça, c'est mauvais. Ouais. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je n'ai rien contre un Dajou, je n'ai rien contre un VG Dream qui me ferait bêter. Contre ça. Mais VG Dream est venu à Abidjan, c'est pas dans toutes les cabines d'aller saluer les gens. Voilà. Un DJ Jacob, il se promène, il rentre dans la cabine, il salue. Ouais. Qu'est-ce que ça vous enlève de jouer les sons de vos camarades? Jouer les sons, c'est comme ça que nous, on nous a connus. Oui. Vous voulez être connus, manger les vrais sous comme nous autres. Ouais. Mais jouer la musique, jouer, non, jouer, vous. Non, jouer, c'est important. Jouer. Il faut arrêter. Jouer. Il faut arrêter la sorcellerie. Mais si c'était l'émission Fafa, il fallait que je dise ça, parce que dans Fafa, on dit la vérité. C'est ça même. Voilà. Nous, on fait des pays où les gens jouent la musique de chez eux. Ouais. Ils jouent d'abord, tu vois, au Congo, on joue d'abord au Nobolo, tu vois. Oui. Au Sénégal, on joue le Mbala, tu vois, pas, au Cameroun. Cameroun, ouais. Bon, le Camerounais, ils nous aiment beaucoup, ils jouent beaucoup notre musique, ça, c'est pas faux, ça, c'est la vérité, tu vois. Mais il faut, voilà, il faut faire plaisir aux artistes qui sont ici maintenant, chez vous, là, avant de passer aux autres. Bref. Alors, Kobo, aujourd'hui, tu as sorti le Fafa et tout ça, mon chien. Bon, dis-moi, comment est-ce que aujourd'hui tu gères au niveau de tes ventes, puisque aujourd'hui il y a les ventes numériques et tout ça. Ouais. Est-ce que tu t'es mis dans la mouvance? Est-ce que tu vends aussi sur les plateformes légales qu'on connaît? Ouais, est-ce que tu t'organises? Ouais, merci beaucoup. Il faut dire que le Fafa, d'abord, on se focalise d'abord sur la vidéo et dans quelques jours, une à deux semaines, ça va être sur toutes les plateformes en vente légale, comme voilà, pour booster quoi. Voilà. D'accord. Parce que nous, on nous a dit que Diakoub gagne trop d'argent. Parce qu'il est certifié à la SACEM en France. Et quand il va comme ça, on dit Monsieur Kouadio, bien arrivé. Voilà, bonne arrivée, soyez la bienvenue. Non, c'est pas petite enveloppe. Non, mais tu sais que maintenant, la SACEM, tu as eu pour qu'on en ait un peu. Ouais, ça vient. Ça vient, voilà, c'est pas. Bon, et puis eux, c'est chaque 6 mois. Ouais, donc. Mais on a notre Burida qui est là, de temps en temps aussi. On est piqué là-bas. Ouais, mais ils sont un peu là aussi. Ils sont très présents. On va faire le Fafa sur eux. Si, ah bon. Ils sont un peu là. On ira poser les. Bah, toi, la disque, ils se plaignent. Ah ouais, beaucoup de choses. Ils se plaignent du Burida. On doit faire le Fafa sur le Burida. Parce que le dernier, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ah, le papa. Où j'ai vu qu'il t'a pas peur, c'est le DJ que tu as attaché là-bas. Ceux-là, ils jouent pas sur des airs. C'est mes gars, ils savent que j'ai dit la vérité. Ils savent que j'ai dit la vérité. Mais là, jouez, hein. Jouez, pardonnez. Alors, comme vous, en tout cas, merci beaucoup, grand. En tout cas, merci. C'est à vous. Merci beaucoup d'avoir reçu l'émission Fafa. En tout cas, ça a été très, très aimable de ta part. Et tout. Merci. Voilà, l'émission tire à sa fin. Si on veut parler de toi, là, on ne va pas quitter. Ouais, On va venir en parler un peu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup de nous avoir reçus. Ouais. Voilà. Et la caméra à la toi. Voilà, tu vas dire ton mot de fin.
Ben, je veux dire merci à la direction d'abord du Voix TV Musique. Voilà, et puis Ramzi, merci à toi. Merci à tous les cadres, les techniciens et tout, la famille. Et je dis aux femmes que le Fafa est là. Voilà, le Fafa est là. Qu'ils acceptent le Fafa comme réconciliation. Voilà, c'est un son qui est simple. Il y a un test dedans avec une danse. Donc voilà quoi. Merci aux femmes qui continuent de me soutenir. Et puis bon, vous savez où me retrouver le week-end. Quelque part à la Riviera, à Purelli, et puis le dimanche. C'est super. Mesdames et messieurs, nous étions avec DJ Jacob, le grand DJ Jacob qui nous a reçus, qui a été très très content d'être avec nous. Nous aussi, on a été très contents. Yeah. Merci de suivre l'émission Fafa. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec votre M serviteur, le Daire. Toujours très fort. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Fafa.